Aujourd'hui, un peu de culture maintenant. En Chine, les jeunes vivent avec leurs parents avant de se marier. Quelques-uns vivent encore avec leurs parents après le mariage. Cela permet aux grands-parents de les aider. Certains jeunes louent ou achètent un appartement pour avoir une vie indépendante. En Chine, pour acheter un appartement, on peut payer en une seule fois ou payer à crédit. Les familles modestes peuvent demander d'acheter des logements sociaux ou louer des HLM. Et pour louer des HLM, il faut remplir certains critères et être patient. Bien que la plupart des logements sociaux soient loin du centre-ville, le métro facilite la vie des habitants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, un test avant de vous quitter. Comment dire en chinois ? Je dois vous payer le loyer pour combien de mois? Si vous savez la réponse, n'hésitez pas à nous envoyer votre réponse par email à l'adresse suivante crifra@cri.com.cn. Et pour plus d'informations, n'oubliez pas d'aller surfer de temps en temps sur notre site internet french.cri.cn. Merci à tous, au revoir, à la prochaine fois. Chers amis auditeurs, ainsi prend fin cette émission. Vous pourrez nous écouter tous les jours de 18h30 à 22h30, temps universel, dans les bandes des 25, 30 et 31 mètres. Nos émissions sont diffusées également sur l'internet dans le site web et le suivant www.cri.com.cn. Vous cliquez ensuite sur la rubrique Français Radio Online. Notre émission est aussi diffusée tous les jours de 21h à 22h, temps universel, sur 1440 kHz en onde moyenne à RTL en Europe. Toutes vos suggestions et remarques sur les contenus et la forme de nos émissions seront les bienvenues. N'hésitez pas à nous écrire, soit par la poste au département français Radio Chine Internationale, Beijing, République populaire de Chine, code postal 10-0040, soit par le courrier électronique à l'adresse suivante crifra@cri.com.cn.
listening to China Plus Radio, a division of China Radio International, connecting you with China and the world. This is CRI News. I'm Paul James. Chinese President Xi Jinping delivering a message to a high-level conference on intellectual property rights among countries involved in the Belt and Road Initiative. As part of his note to the opening of the event, which opened in Beijing this Tuesday, Xi Jinping saying the intellectual property rights system plays a critical role in the development of the Belt and Road program. His message has also emphasized that China is maintaining strict IPR protections and says the China side continuing to try to build a favorable environment for business and innovation. The IPR meeting among Belt and Road members, part of a series of events currently being held in Beijing connected to the Belt and Road Initiative. Chinese Premier Li Keqiang calling for more to be done in medical reform to ease the difficulties in receiving medical services and alleviate the financial burden on patients. Premier saying the reforms have already achieved some important results. A large number of medical workers have made a lot of contribution to promote the reform. Chinese Vice Premier Sun Chen Lan echoing Li Keqiang's instruction, asking for more to be done to tackle a key problem in the reform of the healthcare sector. Chinese law